Bonjour à tous, aujourd'hui séance 10 km. Donc dans cette séance, l'objectif ce sera de faire déjà 5 km voilà, à allure régulière et constante, plutôt sur un format endurance. Et ensuite, dans la deuxième partie de la course, les 5 km d'après, on va positionner une séance de fractionné. Donc voilà, on verra. Alors je vais le faire en temps dans un premier temps parce que je ne serai pas sur une piste, je serai sur un parcours. D'ailleurs, je vous encourage aussi à le travailler en temps dans un premier temps si vous n'avez pas d'unité de mesure parce que c'est compliqué d'aller mesurer. Voilà, à moins que vous ayez le matériel qu'il faut. Et donc, bah voilà, ce sera plutôt en temps. Donc voilà, je verrai des 30-30 ou des 1-1, une minute accélération, une minute récup. Donc on verra. Donc c'est parti, on y va. Voilà, donc là on approche des 5 bornes. Donc, comme je vous ai dit, on est dans la phase endurance. Donc le rythme, ça va. Je suis pas très rapide. L'idée, c'est d'échauffer, de mettre, préparer le cardio, les muscles. À l'effort intense quand on va faire la séance de fractionné. Donc c'est, je suis à une allure de entre 11 et 12 km/h. Ça dépend si c'est du plat ou pas. Donc voilà, commencez comme ça et après on attaque sur la séance un peu plus intensive. Allez go. Voilà. Donc là, 30 secondes rapide, 30 secondes, une trottine pour récupérer. Voilà, donc séance terminée. Donc, résumé, 7,5 km voilà, d'endurance à allure voilà, régulière. Et puis ensuite, donc, sur une portion de 2 km, donc du 10 x 30. 10 fois 30 secondes à allure rapide, 90-95% de votre vitesse maximum VMA ou de votre fréquence cardiaque. Et puis ensuite, donc on a eu 500 mètres, 1 km de récupération, voilà, histoire de dérouler, de récupérer un petit peu et de ne pas s'arrêter tout de suite, hein, puisque pendant les séances de fractionner, c'était plus de la récupération active, donc je continuais à courir, mais je redescendais à 10 km/h. Voilà, donc bonne séance, très bonne sensation. Donc voilà, merci à tous. Coupez.